Allô? C'est Frank West, le sauveur de Willamette? Oui, mais on m'appelle aussi Trou du cul ou Frank qui? Moi, c'est Paula, comme dans l'évangile des zombies selon Paula. C'est mon podcast sur les zombies. Darcy m'a filé votre numéro. Oh, d'accord. Donc il paraît que tu as quelque chose pour moi. Ouais, retrouvez-moi au service des archives de la mairie. La porte est derrière. Venez seul, Frank. D'accord? Bon sang, mes fans sont dérangés. Hey, vous, venez, j'ai besoin d'un coup de main. Il doit y avoir un million de zombies là dehors, et je vais devoir leur rouler dessus. Vous pouvez m'aider? À faire quoi? On va se montrer créatif. Vous pouvez prendre ce plan? Allez, assemblons ce petit bijou. Vous avez jamais fait ça, pas vrai? Ah, j'ai pris mécanique juste pour rencontrer des filles. Bon, je crois que je m'en tirerai mieux toute seule. Allez, tentez votre chance. Merci. Pas grave, je vais vous ouvrir la porte. Autant aller à la mairie avec classe. Frank, t'es un génie. Parfait. Ça suffit. Ah!
Parfait pour toutes les occasions. Être une boutique de réparation informatique. Aidez-moi, pitié! Pitié!
Vous allez pas ressortir les mains vides. Eh, il va vous falloir de l'équipement. Tu peux toujours regarder. Je vais être franc. Je suis bien content d'être ici et pas... J'ai tout ce qu'il vous faut. Je vous aime bien. Vous faites pas tuer. Le maître à l'œuvre. D'obscurité, c'était bien là, mais ils sont partis en quatrième vitesse. Oh, Paula dit que la porte est derrière. Psst, Franck, par ici! La copine de Darcy, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis son éditrice, et c'était un grand avant-poste d'Obscuris, il y a encore 40 minutes. Une minute, t'es Paula? T'avais pas du tout la même voix à la radio. Ah ouais, c'est mon personnage. Ton personnage? Ouais, j'ai réalisé que personne ne m'écoute si je hurle pas tout le temps. En plus, c'est assez amusant. Bon, si vous êtes prêts à m'écouter, vous devriez peut-être fouiller pour voir ce qu'Obscuris fichait ici. Ok, je vais faire ça. Merci. On voit que dalle là-dedans. Je
D'après ça, ils ont un avant-poste de reconnaissance en haut du drugstore de Dodd. Et ils font la reconnaissance de quoi, au juste? Non. Putain de merde, Frank. Pas terrible. Renversée, voiture sur le toit, t'as une idée de ce que c'est? Une piste de dégâts. Et Obscurus la suivait! Ah, il faut que je prenne des notes là-dessus. Des classeurs à tiroirs ont été vidés. Et peut-être qu'ils ont raté quelque chose. Ils ont fait ça à la va-vite. Je parie qu'ils ont laissé des dossiers derrière eux. Obscurus a fouillé ses classeurs à tiroirs, on dirait. Pas bon, ça. Ils ont fait ça à la va-vite. Je parie qu'ils ont laissé des dossiers derrière eux. Celle-ci, je la mets de côté. Ils ont fait ça à la va-vite. Je parie qu'ils ont laissé des dossiers derrière eux. Les archives des égouts et de l'assainissement ont disparu. Les égouts descendent très profond. Qui sait ce qui rôde là-dessous? Ils cherchent quelque chose. Quelque chose de très dangereux. Tu sais quoi sur cet avant-poste au Dodd's Drugs? Il y a un sniper posté là-bas depuis des semaines. Ok, je vais aller voir ça. Bonne idée. Je dois vous dire... Les 512 abonnés de mon podcast vont sauter au plafond en apprenant qu'on travaille ensemble. Ouais, je les comprends. À plus tard.